Bonjour et bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous accueillir au webinaire CBE sur l'huile d'olive. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrée sur le marché européen. Nous allons bientôt commencer la session, mais commençons par quelques présentations et quelques informations importantes. Je m'appelle Tonia Dabeu et je suis votre modératrice et votre hôte aujourd'hui. Je dirige ma propre société de conseil en ligne et je travaille depuis 15 ans avec des entreprises européennes, africaines et latino-américaines, les aidant à développer leur stratégie de croissance. Aujourd'hui, mon rôle principal, pardon, je change quelque chose ici. Mon rôle principal est de veiller à ce que tout se passe bien et à ce que vous obteniez les informations et l'inspiration dont vous avez besoin sur le potentiel du marché européen. Et je vais maintenant partager mon écran. Un moment, s'il vous plaît. Vérifier que vous le voyez, oui, et que ça marche aussi. Donc, maintenant, quelques informations importantes. Nous utilisons aujourd'hui GoToWebinar comme outil. Peut-être vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas un problème. Nous sommes ici pour vous aider. Le plus important, nous ne pouvons pas vous voir et nous ne pouvons pas vous écouter et vous entendre. Et vous ne pouvez ni vous voir ni vous entendre. Cependant, vous pouvez nous voir et nous entendre. Au moins, je l'espère. Et sinon, j'ai une solution pour vous dans quelques instants. Vous pouvez interagir avec nous via l'onglet, le tab Questions. Vous le trouvez en haut à droite sur votre écran. Et dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Si vous rencontrez des problèmes audio, essayez de rejoindre le webinaire en utilisant le lien contenu dans l'email de confirmation. Si cela ne fonctionne pas, bon, nous enregistrons ce webinaire. Donc, si vous avez des problèmes, si vous perdez la connexion Internet ou si vous avez des problèmes audio, vous pourrez revoir ce webinaire à votre guise à travers du lien que nous allons vous envoyer dans un email après ce webinaire. Si vous avez une question ou un commentaire, veuillez utiliser l'onglet Questions. C'est la seule façon de communiquer avec nous. Donc, veuillez s'il vous plaît l'utiliser. Nous aurons deux sessions questions-réponses dans ce webinaire et vous pouvez faire entrer vos questions à n'importe quel moment. Et nous allons faire de notre mieux pour répondre à toutes les questions. Nous organiserons aussi quelques sondages pour en savoir plus sur vous et vos réponses vont nous aider à nous assurer que notre programme est adapté à vos besoins. En plus, ce webinaire est basé sur notre étude du marché de l'huile d'olive et l'étude s'intitule Entrée sur le marché européen de l'huile d'olive et est disponible sur le site web de CBI, www.cbi.eu. Ce qui est important, c'est que les études sur le site web sont en anglais, donc vous pouvez utiliser Google Translate ou ChatGPT pour les traduire. J'aimerais commencer maintenant avec notre premier sondage. Je vais le lancer. Vous le voyez. Êtes-vous un exportateur? Je vois des réponses. Nous avons beaucoup de personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience avec l'exportation, mais pas encore à l'Union européenne. 60% a donné sa réponse. 70%, merci. Bon,
Je vais le fermer dans quelques instants. Je le laisse ouvert pendant 10 secondes pour donner l'opportunité aux gens qui n'ont pas encore voté. Merci beaucoup. Je le ferme en 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Merci. Et vous voyez ici les résultats. Donc, comme j'ai dit, on a beaucoup de gens qui ont déjà beaucoup d'expérience avec l'exportation, mais pas encore à l'Union européenne. Et aussi beaucoup de gens qui n'ont pas encore, d'expérience avec l'exportation. Et aussi quelques gens qui ont exporté vers l'Europe. Merci d'avoir participé. Maintenant, je vais vous dire que nous avons beaucoup d'informations à partager avec vous aujourd'hui. Pour bien gérer le temps, nous allons nous concentrer sur les points clés. Nous allons vous expliquer en grande ligne ce que vous devez faire pour accéder au marché européen de l'huile d'olive. Notre expert nous indiquera les marchés les plus intéressants. Nous porterons une attention particulière aux exigences réglementaires en matière de sécurité alimentaire et nous parlerons de dernières tendances affectant les ventes. Nous vous partagerons aussi quelques informations sur un projet de CBI que nous avons réalisé en Jordanie. Et nous avons avec nous un coach d'entreprise, un coach en exportation d'entreprise qui nous parlera de ce projet et qui nous montrera aussi une vidéo d'un entrepreneur jordanien qui va vous expliquer comment ce projet a aidé son entreprise. Nous allons répondre aux questions, alors n'hésitez pas à commencer à poser des questions à tout moment. Et rappelez-vous, merci d'utiliser l'onglet « questions ». À droite, en haut, à droite, sur votre écran. Bon, je vais passer le microphone à Kathleen van Melle du CBI. Kathleen est la responsable du programme et elle aimerait vous dire quelques mots. Kathleen? Oui, merci Tonia. Et bonjour à tous. Je voudrais commencer à remercier tout le monde pour votre participation aujourd'hui et aussi bienvenue aux partenaires publics et privés qui sont là aujourd'hui. Je m'appelle Kathleen van Melle et je suis chef de projet à CBI. Je fais partie de l'équipe qui a organisé ce webinaire aujourd'hui. Je crois que certains de vous connaissent peut-être CBI, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je peux dire quelques mots pour présenter notre agence. Le CBI, c'est le Centre de promotion de l'importation, une agence gouvernementale financée par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Et notre mission est d'accompagner la transition vers des secteurs inclusifs et durables. Et on fait ça à travers de travailler avec les PME et de soutenir les PME en renforçant leur durabilité économique, sociale et aussi environnementale. Comment on fait ça? On lance des projets dans des différents pays et secteurs. Et aussi, on travaille avec les acteurs dans les écosystèmes, dans les pays et secteurs. On offre coaching pour les PME. On peut aussi offrir les informations sur les marchés qui sont là gratuites à notre site web que Tony a expliqué avant. Et aujourd'hui, on va présenter quelques résultats de notre étude sur le marché de l'huile d'olive, sur le marché européen. Comme Tony a expliqué aussi, on va parler un peu des idées qu'on a pour le programme à Maroc.
Et j'espère que ça va être intéressant pour vous. Nous sommes très fiers d'organiser ce webinaire aujourd'hui avec notre partenaire au Maroc, le DRA à Fès Meknès, Interprolive et Fafom. Ils sont là aujourd'hui. Peut-être ils ont la possibilité de le présenter. J'espère que le webinaire va être utile pour vous et que vous allez apprécier les présentations. Merci et je rends la parole à Tonia. Merci. Merci beaucoup, Kathleen. Et comme Kathleen l'a dit, nous sommes honorés de compter parmi nous aujourd'hui trois organisations de soutien aux entreprises. Et je voudrais vous inviter tous les trois à allumer vos caméras et à vous présenter. Et nous allons commencer avec la direction régionale de l'agriculture de Meknès, Monsieur Mkhrari. Monsieur Mkhrari, si vous nous entendez, est-ce que vous pourriez mettre allumé votre caméra et votre microphone pour vous présenter? Et en entendant Monsieur Mkhrari, je vais dire que CBI travaille toujours avec les partenaires locaux. Et pour le projet proposé, ces trois partenaires que nous avons avec nous ce matin font partie d'un groupe de partenaires locaux avec qui CBI espère travailler. Et ces partenaires vont se présenter, si on n'a pas de problème avec la connexion, vont se présenter en quelques mots pour vous expliquer comment ils pourraient vous aider dans le projet proposé. Monsieur Mkhrari, est-ce que vous êtes là? Non, je ne crois pas. Je suis très désolée, mais il semble que nous avons quelques problèmes avec la connexion Internet. Donc, je vais vous montrer ce diapositif pour vous donner quelques informations sur la direction régionale d'agriculture à Meknès. Donc, vous pouvez le lire ici. Il reste, je crois, seulement à dire que l'agriculture et le développement de ce secteur d'olive, secteur d'olive et aussi l'exportation de l'huile d'olive est une chose très importante pour le ministère et que notre partenaire va faire de son mieux pour vous aider dans ce projet. Continuons avec notre deuxième partenaire, Fafom. Madame Wazani ou Madame Chami, est-ce que vous êtes là? Pourriez-vous allumer votre caméra et microphone, s'il vous plaît? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Bonjour. Bah, écoutez, je suis Amel Chami. Merci d'abord, tout d'abord, de nous inviter à partager avec vous ce webinaire et ce beau projet. Nous avons tous besoin effectivement d'être soutenus et d'avoir des formules à suivre et à pour un accompagnement. Donc, je suis moi-même agricultrice et trituratrice d'olives. Donc, j'ai fondé l'association Fafom. C'est une association qui réunit des femmes actives dans la filière oléicole au Maroc. Notre objectif est de promouvoir donc l'inclusion des femmes dans la chaîne des valeurs de valeur oléicole. Et puis nous cherchons à fédérer des femmes du secteur à tous les niveaux de l'industrie de l'huile d'olive et ainsi créer un mouvement dynamique et consolider des synergies. Entraînant un changement global positif dans les domaines donc de la santé qui rejoint beaucoup le rôle de la femme surtout donc dans les domaines de la santé et de l'éducation aussi, des pratiques environnementales et agricoles et du commerce équitable. Et bien sûr, nous cherchons par ceci, nous cherchons aussi une égalité des sexes et une reconnaissance du travail de la femme marocaine sur les champs. En tant que ouvrière sur les champs ou bien en tant que trituratrice,
chef de file ou bien exportatrice. Voilà, donc je vous remercie encore. Fantastique. Je vous remercie encore pour cette invitation. Et effectivement, nous avons besoin, j'ai surtout besoin de connaître, de rejoindre d'autres femmes qui me ressemblent et de pouvoir avoir un certain nombre d'adhérentes et pour pouvoir faire des déplacements sur les champs ou bien en unité de trituration pour valoriser l'huile d'olive. Voilà, merci D'accord. beaucoup. Merci. Merci à vous et nous avons hâte de travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci bien. Et maintenant, j'invite Monsieur Kanoufi à allumer sa caméra, son caméra. Ah oui, vous êtes là. Monsieur Kanoufi, vous êtes d'Interprolive. Bienvenue. Merci. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce webinaire et bien sûr, je considère que le projet que vous êtes en train de mener est un très bon projet pour la promotion de l'huile d'olive marocaine. Je vous en remercie beaucoup. Alors, l'Interprolive marocaine est une interprofession agricole qui est reconnue depuis 2018 conformément aux textes juridiques et réglementaires au Maroc. C'est une interprofession qui regroupe les organisations professionnelles représentatives de la filière agricole au Maroc. Donc, nous avons une fédération des producteurs des olives au Maroc qui est constituée d'un ensemble d'associations au niveau de toutes les régions de production des olives au Maroc. Nous avons la Fédération des triturateurs des olives, les opérateurs qui font de la trituration des olives et de la commercialisation et exportation des huiles d'olive. Et nous avons aussi la fédération qui représente les opérateurs qui font les olives de table, production des olives de table et commercialisation et exportation des olives de table. Donc, là, notre interprofession a pour objet d'abord la concertation entre les professionnels de la filière pour la prise de décision dans les domaines qui concernent la filière agricole, les domaines qui le concernent. Et par conséquent, elle a une vocation d'action, d'intervention dans les domaines techniques, institutionnels, économiques, environnementaux et commerciaux dans la filière. Nous intervenons dans tous ces domaines-là. Et l'interprofession, à travers ces liens donc avec les acteurs professionnels marocains au niveau national et au niveau de l'ensemble des territoires de production du Maroc, ils se proposent donc de développer des partenariats mutuellement avantageux avec les opérateurs et les acteurs dans les pays de destination, notamment l'Union européenne. Et dans tous les pays, donc prometteurs et consommateurs des olives. Voilà, donc on est l'ensemble, enfin, en présentant la majorité des opérateurs de la filière agricole, et nous avons avec le département ministériel de l'agriculture au Maroc un contrat-programme pour développer la filière agricole au Maroc avec des objectifs très ambitieux. Je citerai ici, puisqu'on est dans la promotion des olives, je citerai les objectifs en termes d'export. Donc, on est actuellement au Maroc autour de 23 000 en moyenne, jusqu'à 30 000 tonnes d'export d'huile d'olive. Et nous avons comme objectif à l'horizon 2030 d'arriver à 100 000. Wow, fantastique. Voilà. Et donc, nous avons besoin de tous les partenariats, tous les projets qui nous vont nous aider Tous dans les ce domaine. exporteurs aussi, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, on a dans toutes les fédérations, et principalement dans la filière, dans la fédération des triturateurs des olives, toutes les catégories, nous avons les grands, les moyens, les PME et les petits. Donc, tout le monde est représenté et on est disposé à collaborer avec vous pour la réussite de ce projet. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Hanoufi. Beaucoup de soutien, beaucoup d'opportunités pour les exporteurs. Alors, merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui et nous avons hâte de travailler avec vous. Bon, merci. Merci, Monsieur Hanoufi. Je vous invite à éteindre votre caméra et je vais lancer un prochain sondage. Que vous pouvez voir. Oui, vous le pouvez voir. Ah, vous répondez déjà. Merci beaucoup. % a déjà répondu. Merci. Je le laisse ouvert quelques 10 à 20 secondes pour vous donner l'opportunité de répondre. Et je le ferme en 5, 3, 2, 1. Merci d'avoir participé. Je partage les résultats. Vous le voyez ici. Nous avons une représentation de presque tout le pays ou toutes ces villes, je dirais. Merci d'avoir partagé vos réponses. J'ai une deuxième question pour vous, très rapidement. Quel est votre domaine d'activité? Nous voyons beaucoup d'autres acteurs de l'écosystème oléicole et aussi des producteurs d'olives et des personnes avec des projets intégrés. Je le ferme en 5, 2, 1 et je partage les résultats. Vous voyez ici les résultats? Merci bien d'avoir participé. C'est bien d'en apprendre un peu plus sur vous. Bon, ensuite, c'est ça. Ensuite, j'aimerais vous présenter Vladimir Pekic. Vladimir va nous parler du potentiel du marché européen d'huile d'olive. Il est spécialisé dans les études de marché, notamment pour le CBI. Il est aussi un expert du marché d'huile d'olive en général. Et rappelez-vous, merci de poser vos questions à travers de l'onglet questions et nous allons répondre à votre question pendant la première session de questions et réponses. Vladimir, à vous. Merci Tania. Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je m'appelle Vladimir Pekic et je travaille en tant qu'analyste de marché et je suis actif dans le secteur des fruits transformés, des légumes et des noix comestibles. Actuellement, j'aide également mon collègue Alexander Ivanovic, qui est l'auteur principal de cette étude sur le marché de l'huile d'olive. Aujourd'hui, je vais présenter l'information que je suis le membre francophone de notre équipe. Je serai très heureux de partager des informations que je connais grâce à l'étude. Comme il s'agit de ma première présentation en français en direct, je m'excuse à l'avance pour toute erreur que je pourrais commettre par inadvertance. Je suis très enthousiaste à l'idée de participer à le webinaire de CPI. Tonia, vous pouvez passer à la diapositive, la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les principaux thèmes de la présentation d'aujourd'hui seront les suivants thèmes.
quelles sont les exigences légales et l'exigence des acheteurs les plus récentes pour entrer sur le marché? Quelles sont les tendances qui stimulent la demande d'huile d'olive en Europe? Quelles sont les opportunités sur le marché européen pour le pays fournisseur? Il ne s'agit que de brefs extraits de notre étude plus large. Ces thèmes sont documentés dans notre étude. Elle est disponible sur le site web du CBI. Suivante slide. Tonia, s'il vous plaît. Les marchés cibles pour l'huile d'olive de haute qualité sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède. Les données de cette diapositive se réfèrent à des milliers de tonnes. À court terme, le marché européen de l'huile d'olive devrait connaître une baisse temporaire, l'une des raisons de la faible consommation attendue et une production très lente en raison d'un temps chaud et sec. Une autre raison est l'inflation due à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Les exportateurs d'huile d'olive d'haute qualité des pays en développement peuvent trouver des débouchés sur les grands marchés de consommation européenne tels que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Ces pays ne sont pas producteurs d'olives et leur consommation dépend entièrement des importations. Il est également possible d'y proposer de l'huile d'olive de qualité supérieure. L'Italie, l'Espagne et le Portugal offrent également des possibilités d'exportation d'huile d'olive en vrac. L'huile en vrac importée est souvent raffinée ou mélangée à de l'huile d'olive produite dans le pays avant d'être mise en bouteille. Suivante slide, Tonia, s'il vous plaît. L'exigence clé, on doit savoir que l'huile d'olive vendue qui est vendu directement aux consommateurs finaux en Europe, peut-être l'huile d'olive extra vierge, HOV, principalement destinée au segment de la vente au détail. L'huile d'olive vierge pourrait être destinée pour le segment des services alimentaires. Et aussi, il y a des mélanges d'huile d'olive raffinée, d'huile d'olive vierge et huile de grignon d'olive. Mais l'huile d'olive qui ne peut être vendue directement aux consommateurs finaux sont l'huile d'olive lampante, raffinée, l'huile de grignon d'olive brute et l'huile de grignon d'olive raffinée. Suivante slide, s'il vous plaît, Tonia. Il y a un groupe d'exigences clés pour les ventes d'huile d'olive en Europe. Cette exigence réfère à les contaminants, la composition, la qualité et les tests ou les analyses sensorielles. Les principales caractéristiques chimiques liées à la qualité sont le niveau d'acidité, l'indice de peroxyde, le niveau d'oxydation, la teneur en acide gras et la composition en stérol. Mais les tests chimiques seuls ne suffisent pas à établir la catégorie de qualité de l'huile d'olive. Des tests sensoriels supplémentaires sont nécessaires pour définir des caractéristiques telles que le fruité et l'absence de défauts organoleptiques. Je donnerai quelques exemples aujourd'hui, mais des plus amples informations sont disponibles dans l'étude. Les hydrocarbures saturés d'huile minérale MOSH, les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale MOA sont des contaminants de l'huile d'olive qui ont suscité l'inquiétude du public à plusieurs reprises. Par exemple, des organisations françaises de consommateurs ont testé 24 huiles d'olive en 2023
et on trouvait des quantités de manches de mois supérieures à 2 mg par kilo. En septembre 2023, l'autorité européenne de sécurité des aliments a publié son avis scientifique sur l'évaluation des risques liés aux hydrocarbures de huile minérale dans les aliments. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont souvent liés à la production de grignons d'olive et d'huile fumée. Maintenant, les tests d'authenticité nous disent sur la qualité, quantité de cire révélant la présence d'huile de grignon, de glycéryl monopalmitate, de stigmatidienne, SN42 et composition en acide gras pour savoir si l'huile d'olive est en mélange. Le suivant slide, Tonya, s'il vous plaît. Merci. Quelles sont les tendances qui stimulent la demande d'huile d'olive en Europe? Bien sûr, il y a une augmentation de la consommation de type d'huile d'olive moins chère. La récolte de la saison 2022-23 était inférieure de 40% à celle de l'année précédente. De la saison précédente, au cours de la dernière année, le prix d'huile d'olive en vrac en Europe est passé de 4-5 euros à 8-9 euros par kilo. Tout au long des chaînes d'approvisionnement, cela a entraîné une augmentation de prix en détail de l'huile d'olive de près de 50%. Et les transformateurs et les embouteilleurs proposent de plus en plus d'huile d'olive aux consommateurs à des prix plus abordables pour les consommateurs. Le prochain slide, Tonya, s'il vous plaît. Merci. Quelles sont les tendances qui stimulent la demande d'huile d'olive en Europe? La plupart des grandes marques en Europe ont introduit des huiles mélangées au cours de la dernière année. La catégorie des huiles mélangées est la seule en Europe qui affiche une croissance des importations. Les importations de huiles mélangées sont passées de 1,4 million de tonnes en 2021 à 2 millions de tonnes en 2022. On peut voir une augmentation de la part de marché des marques des distributeurs. Les chaînes de distribution améliorent la qualité de son produit d'olive. Leur approvisionnement dépend souvent d'entreprises locales d'huile végétale qui importent en vrac. De nombreuses grandes entreprises, y compris des chaînes de marques privées, introduisent de nouvelles marques dont le prix de détail sont plus élevés. Le suivant slide. Il y a d'autres tendances qui stimulent la demande d'huile d'olive en Europe. La promotion de la santé et du bien-être est toujours importante. Il y a des campagnes nationales en France, par exemple, menées par le journaliste Jamie Gourmand, par exemple, toujours nous savons de la popularité du régime méditerranéen de nutrition, en particulier en Royaume-Uni. Les allégations liées à l'alimentation sont très importantes pour le marché. Les allégations comme végétariennes, produits purs, naturels. Les allégations relatives à la qualité sont des attributs sensoriels, savoureux. Nous avons les huiles d'olive avec infusion de l'ail ou le piment qui sont
déjà bien établies, mais il y a de nouveaux produits qui apparaissent, infusion avec le citron vert, pesto, curry, romarin, basilic. La consommation d'huile d'olive biologique est en on peut voir la croissance de la consommation de cette huile. Pour les consommateurs dans l'Europe, la promotion de l'origine unique est importante, principalement pour les principaux fournisseurs. C'est important, en particulier l'Italie. On voit l'appellation d'origine protégée qui est importante pour l'huile de qualité supérieure produite dans l'Union européenne. Et il y a des initiatives d'éducation de consommateurs dans le segment haut de gamme avec cours de dégustation, boutiques spécialisées, dégustation sur place. Suivant. Slide, s'il vous plaît, Tania, merci. La définition de huile d'olive haut de gamme, qui est une huile premium ou ultra premium, il y a quelques exigences minimales. Il doit être l'huile d'olive extra vierge, selon la définition et la norme de l'Union européenne. Et elle est extraite par des moyens physiques mécaniques à une température inférieure à 27 degrés Celsius et dispose d'une acidité libre, exprimée en acide oléique de moins de 0,80 g par 100 g. Elle répond à d'autres exigences de la norme du Conseil oléicole international. Il y a des exigences supplémentaires qui pourront faciliter les ventes, pas de normes officielles. Il n'existe pas de définition officielle de conseil, mais d'autres organisations s'y emploient. Cette huile premium ou extra premium doit avoir très faible acidité, éventuellement moins de 0,3 g pour 100 g. Et doit être classé dans l'analyse sensorielle organoleptique. L'huile peut être unique d'une autre manière. Il peut être une huile de variété unique, un domaine unique. Et de nombreux facteurs contribuent à la qualité, la variété, la maturité des fruits, la mode de cueillette, le délai entre la récolte et la transformation, la technologie qu'on emploie dans la transformation. Il existe des cas où l'huile d'olive moins chère obtient des meilleurs résultats aux tests sensoriels que les marques de qualité supérieure. Le suivant slide, Tonia. Merci. Il y a plusieurs opportunités pour les exportateurs par l'Europe, à l'Europe. On peut viser la qualité supérieure pour obtenir de meilleurs prix. On peut améliorer la qualité de l'huile, essayer de ne pas rivaliser avec les marques les plus importantes aujourd'hui en Europe. On peut faire recherche des segments de marché de niche en Europe et participer aux sessions de tests internationales pour avoir une plus grande visibilité. Ou, d'autre côté, offrir de l'huile à un prix abordable aux grandes entreprises de transformation pour qu'elles la mélangent. Le suivant slide, s'il vous plaît. On peut atteindre la catégorie supérieure grâce à des tests sensoriels. Il y a des types généraux, fruités comme principal descripteur,
Nous avons de l'huile d'olive non mûrée, non mûre, huile d'olive verte, huile d'olive robuste, moyen ou léger, d'olive mûrée robuste, moyen ou léger aussi. Il y a des combinaisons de type traditionnel. Mais aussi, d'autre côté, nous avons des catégories spéciales, des huiles d'olive infusées, biologiques, peut-être monovariétales ou connectées à des régions spéciales. Les différentes catégories ne disent beaucoup sur la qualité. L'huile d'olive verte n'est pas meilleure que l'huile d'olive mûre par défaut. Le slide prochain, s'il vous plaît. Vladimir, il vous oui. reste 2 minutes. Oui, oui. On peut atteindre la catégorie supérieure grâce à avantages pour la santé. La plupart d'olives extra vierges biologiques vendues ne sont pas de première qualité. Il y a beaucoup de nutriments fonctionnels qui sont davantage pour la santé, comme l'oléocantal, des composés bioactifs qui peuvent être mesurés. L'oléocantal, par exemple, il active les mêmes voies anti-inflammatoires que l'ibuprofène. Le prochain slide, s'il vous plaît. On peut atteindre la catégorie supérieure de marché grâce au design de la bouteille. Il n'existe pas de réglementation officielle pour l'huile d'olive conditionnée en vrac, mais pour la vente en détail, la capacité maximale du récipient ne peut pas dépasser 5 litres. Il y a beaucoup de place pour l'originalité et pour la création d'un produit qui se distingue pour la conception de la bouteille et de l'emballage. Le suivant slide, Tonya, s'il vous plaît. Le slide. Pour résumer, on peut se concentrer sur des segments de marché particuliers. Il y a des magasins spécialisés, des magasins d'alimentation biologique, des magasins d'alimentation saine, boutiques ethniques. Le suivant slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous. Je vous remercie tous pour votre attention. L'étude complète sur le marché d'huile d'olive est disponible sur le site web de CBI. Merci, Tonya. Merci beaucoup, Vladimir. Restez avec nous, s'il vous plaît, parce que nous avons quelques questions de notre audience. Et la première question est, que voulez-vous dire par huile d'olive mélangée? Qu'est-ce que je dis sur l'huile d'olive mélangée? Notre étude a démontré qu'il y a beaucoup d'intérêt des importateurs de faire des mélanges de huile d'olive avec pour le marché en Europe. Qu'il utilise d'autres huiles, qu'il mélange avec l'huile d'olive, c'est l'huile adultérée, donc. Oui, oui, il y a aussi les pays européens importent la majeure partie de l'huile d'olive d'autres pays européens, c'est important, mais l'huile d'olive extra vierge représentait 65% de tout volume importé, mais l'huile raffinée mélangée, 13%. C'est une catégorie importante pour le marché européen. Il y a aussi des données qui indiquent que l'importation de huile d'olive lampante en provenance de pays en développement est importante, parce qu'elle représente près de 40% des importations totales d'huile d'olive lampante, par exemple.
D'autre part, seulement environ 10% d'huile d'olive extra vierge est importée des pays en développement. D'accord, merci beaucoup. Et une deuxième question ici qui parle de l'adultération de l'huile d'olive. Bonjour, à une certaine période, on voyait de l'huile d'olive adultérée par de l'huile de noisette. Est-ce que c'est toujours le cas et quelles sont les huiles utilisées en adultération pour vendre plus de quantité au prix de l'huile d'olive? Donc la question est dans le cas de fraude qui existe et sur lesquelles on doit faire attention lorsqu'on est dans une chaîne commerciale, par exemple acheteur intermédiaire. Donc, quelles sont les huiles utilisées pour faire de l'adultération de l'huile d'olive dans les fraudes? Et qu'est-ce que doit faire un acheteur intermédiaire, par exemple? Mon collègue Alexandre, qui a autoré cette part de l'étude, je peux, si vous le permettez, je devrais répondre par courrier électronique pour ne faire une erreur en direct. Aucun problème. Donc, on vous enverrait l'information après ce webinaire dans un email pour répondre à cette question. Merci, Vladimir. Une autre question ici. Des autres questions. On voit beaucoup de questions qui arrivent maintenant. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que le fait de donner accès aux clients européens vers des plateformes de traçabilité digitale, pardon, je ne peux pas lire tout. Est-ce que le fait de donner accès aux clients européens vers des plateformes de traçabilité digitale et de transparence supply chain peut être un élément de différenciation? Je pense que si j'ai compris la question, s'il y a d'avantages d'utiliser les plateformes de traçabilité digitale? Ou bien de différencier, je vais le mettre en anglais. Oui. Is giving access to European clients to traceability platforms and the transparent supply chain, is that a way to distinguish yourself as an exporter? Oui, je suis de, c'est une manière de faire une aujourd'hui c'est difficile de il y a beaucoup de compétition en Europe chaque fois qu'un exportateur offre plus transparence plus traçabilité plus des informations sur son produit c'est un win-win en anglais, c'est une clair. Gagnant, oui. D'accord, merci. Alors, il faut le faire. Il faut faire chaque chose que vous pouvez faire pour vous distinguer sur le marché. Une autre question, quand vous parlez de marché de niche, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Oui. Il y a le marché de niche offre beaucoup d'opportunités parce que le marché en Europe n'est pas monolithe. La population en Europe est très diversifiée. Il y a beaucoup de consommateurs avec des intérêts pour une forme de consommation. Par ça, il y a beaucoup de magasins qui spécialisent en quelques avenues de consommation. Il y a de
magasins ethniques, il y a des magasins d'alimentation fins avec les produits qui sont plus chers. Dans notre étude, il y a plusieurs informations sur cet aspect du marché, du marché et comment on peut viser une catégorie pour entrer le marché européen. D'accord. Et j'ai quelques questions ici qui parlent du même, presque du même sujet. À voir. Peut-on être exportateur pour une petite ferme de 10 hectares? Quelle stratégie pour pénétrer ce marché? Donc, une question de petits exportateurs. Quelle stratégie doivent-ils suivre pour entrer sur le marché européen? Et une deuxième question qui a une relation avec la dernière. Bon, non, attendez, je commence par cette première question. Stratégie pour les exportateurs, pour les petits exportateurs? Pour les petits exportateurs, je pense que c'est très important de savoir quels sont les avantages uniques que la compagnie peut offrir à les importateurs dans l'Europe. Il y a, est-ce que la compagnie a ou peut produire quelques catégories spéciales d'huile d'olive, peut-être huile biologique ou monovariétale, ou peut-être est connectée à des régions spéciales. La compagnie doit penser qu'est-ce qui est l'avantage unique qu'elle peut offrir. Donc, la distinction sur le marché. La distinction, oui, oui. Sur le marché, d'accord. Et la dernière question pour maintenant, une réponse très brève, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous parler des ventes sur le net et e-commerce? Qu'elle présente une niche pour les petits exportateurs et les coopératives? Oui. Il s'agit d'un marché qui est en croissance. Il s'agit d'une question qui est d'un marché qui est de plus en plus importante. Quand il y a des changes dans le marché, c'est toujours une opportunité. Je pense que les exportateurs ne doivent pas poser. Chaque nouvelle opportunité doit être explorée, comme le marché sur l'Internet. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour les exportateurs, oui. Les coopératives. Il faut explorer et voir ce qu'est l'opportunité qui convient mieux aux exportateurs. Oui, merci, Tania. D'accord. Merci beaucoup, Vladimir. Nous vous reverrons à la fin du webinaire. Mais pour maintenant, merci beaucoup et j'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à Monsieur Youssef Chad. Et je vais continuer un peu en anglais et puis en français. Mr. Chad, may I invite you to switch on your camera and your microphone, and I will do a very brief, there you are, thank you very much, and I will do a very brief introduction of you and what you're going to say to our audience. Alors, Monsieur Chad est coach en exportation d'entreprise pour CBI en Jordanie. Il va nous parler un peu du programme de CBI en Jordanie. Il partagera également une courte vidéo de Monsieur Fayad. Monsieur Fayad est le propriétaire de l'une des entreprises qui ont participé à ce programme. Les deux présentations seront en arabe et la vidéo... Oui, la vidéo a des sous-titres en français. Monsieur Chad, bienvenue, welcome, over to you. Thank you, Tonya. Assalamu alaikum. Ana sa'id fi liqa'i ma'akum al-yom. Sa'atahaddath
نبذة عن مشروعنا بالأردن. مشروعنا بالأردن بلش بالألفين بدأ بالألفين وعشرين والآن هو بالألفين وأربعة وعشرين بالسنة النهائية. بدأنا بتحليل سلسلة القيمة المضافة Value Chain Analysis، بناء عليها حددنا أصحاب العلاقة اللي بنشتغل معاهم وحددنا ثلاث محاور رئيسية للعمل اللي هي بناء المؤسسات المعنية، وهون اشتغلنا على الخطط والبرامج وبناء القدرات والمهارات الناعمة لهذه المؤسسات التي ستدعم تطوير قطاع إنتاج زيت الزيتون بالأردن. المحور الثاني اللي اشتغلنا عليه على مستوى الشركات، وهون حتحدث عليه بتفصيل كوني أنا الاستشاري المسؤول عن هذا المحور. والمحور الثالث كان بناء علامة تجارية وتسويق الأردن كمنتج لزيت الزيتون بالعالم، لأنه الأردن ما كانش محطوط على الخارطة الإنتاج لهذا الموضوع، وبنينا علامة تجارية بشعار ولوجو وسلوغان لهذا الموضوع، وأنتجنا سوقناه عالميا ومحليا. بموضوع الشركات اللي بدي أبدأ عليه الحديث الآن، اشتغلنا على ثلاث مستويات رئيسية. المستوى الأول تحسين الجودة، وهنا اشتغلنا على السبلاي تشين ككل، اللي هي سلسلة الإمدادات ككل من الشجرة والزراعة والنقل والعصير والتخزين بعد ذلك، والعمل على مواصفات دولية بما فيها مواصفات مجلس زيت الزيتون العالمي والمواصفات المطلوبة للاتحاد الأوروبي كذلك، والعمل على شهادات المواصفات الدولية كحسب Good Agriculture Practice، الممارسات الزراعة الجيدة وممارسات العصر الجيد إضافة إلى، كما أضفنا في المشاركة في المسابقات الدولية أساس يساعد هذا الموضوع كفيدباك أو تغذية راجعة لمدى المستوى الجودة المنتجة، وإضافة إلى ترويجه المساعدة في الترويج الإضافي. المستوى الثاني اللي عملنا عليه، عملنا على تقليل تكلفة الإنتاج، لأنه كان تكلفة الإنتاج عالية، ف حللنا كل المحاور والعناصر اللي تساهم في الإنتاج، وعملنا على تقليل التكلفة بداية بالوحدة اللي هي اللتر لزيت الزيتون، كيفية تقليل التكلفة لكل الشركات. والمستوى الثالث اللي هي المسؤولية الاجتماعية بما فيها حماية البيئة، بما يطلع بالمخرجات عن زيت الزيتون سواء القطف أو سواء العصر، كيفية معالجته حسب المواصفات العالمية وبما لا يضر بالبيئة المحيطة أو التربة أو الماء، تقليل استهلاك الماء والكهرباء، العمل على طاقة شمسية، والمواصفات العالمية بما يتعلق بالعمالة والتشغيل فيما يتعلق بحماية الأطفال كمثال على ذلك. كيف عملنا هذا الموضوع؟ كيف نفذناه؟ نفذناه عن طريق one to one، يعني كل شركة على حدة. بدأنا فيها بتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لكل شركة، عملنا بناء على ذلك تحديد للجابس الموجودة لكل شركة، وعملنا عليها على خطة عمل تطويرية بناء على ذلك لتسديد الفجوات، عملنا دراسة السوق لتحديد أول ثلاث أسواق معينة بناء على كل شركة، لأنه معظم الشركات مش كلها مستوى واحد، وبالتالي اشتغلنا على الانديفيديوال شركة على المستوى الفرادي لكل شركة، دراسة السوق وتحديد أنسب ثلاث أسواق عالمية لهذه لكل شركة، بدأنا بتحديد ما هو المنتج المناسب لكل سوق، يعني تحديد BMC Product Market Combination بيسموها في هذا الموضوع، وعملنا على خطة تسويق تفصيلية لكل شريحة تسويقية بما ينتج بها المنتج مع التغليف، سعر الترويج والتوزيع لهذه الأسواق المنتجة، وبدأنا فيها بالخطط معهم ونمشي فيهم خطوة بخطوة بهذا الموضوع. الإمباكت إيش نتج عن هذا الموضوع ككل؟ لغاية الآن تقريباً
فيما يعادل 20% زيادة في المبيعات والأرباح لكل الشركات، وزادت ممارساتهم طبقا للمواصفات العالمية، وزادت مسؤوليتهم الاجتماعية. أنا الآن سأترككم مع فيديو لإحدى المنتجين، هو مزارع وله مزرعته كمان بالأردن، وكان عضو بالمؤسسة المشاركة لتسويق زيت الزيتون الأردني. هترككم مع الفيديو، وبعد هيك ممكن أتلقى أسئلتكم على الرحب والسعة. شكرا لكم. تونيا، can you please go on for the video please? I'm going to launch it now. Un moment, s'il vous plaît. Thank you. احنا قبل 2020 كان في عندنا مشكله بالاردن، انه كان في عندنا فائض في الانتاج، وكان في عندنا ارتفاع كبير بكلف الانتاج، بالتالي كان صعب جدا علينا ان ندخل اسواق او ان نصدر منتجاتنا. كان خيارنا ان نتجه للاتحاد الاوروبي الEU مرة، من اذا بدنا نتجه للاسواق بدنا نطلع من الزيت المعبأ او الغير معبأ او السائب الى الزيت المعبأ. طبعا القيمه المضافه للزيت المعبأ هي كبيرة كبيرة جدا، بنحكي عن شيء يستحق ان الانسان يشتغل عليه. فكرنا وبلشنا نشتغل. كان عندنا احدى العقبات اللي هي متطلبات الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي له متطلبات معينة بالليبلينج، بالليبل له متطلبات معينة بالجودة، له متطلبات معينة في شهادات الجودة المعتمدة بالمختبرات، له متطلبات خاصة فيه. وبالتالي كنا بحاجة الى مساعدة وطلب يد العون من أصحاب الخبرة. وهذا كان تزامنت هاي الأفكار وهذا الشغل اللي تم إنجازه مع جائحة كورونا. لما دخلنا في جائحة كورونا دخلنا في المشكلة، إنه اليوم في عنا منتج، عنا فائض إنتاج، وأسعارنا مرتفعة بالكلف، وبالتالي ما بنقدر ننافس بشكل مباشر بالسوق الأوروبي أو بأي سوق آخر. الحل الأمثل والأنسب انه احنا بدنا اشخاص او بدنا جهه من داخل الاتحاد الاوروبي تساعدنا وتقدم لنا يد العون حتى نقدر نوصل لهاي الاسواق. اتجهنا للمنظمات، وكان اختيارنا تم اختيار او كان الاختيار الامثل ان نتجه ل CPI، منظمه هولنديه عندها الخبره، دعمت كثير مشاريع في العالم في تطوير القطاعات الزراعيه. بدا البرنامج هنا في اكثر من مرحله. أول مرحلة اللي هي كانت دراسة الواقع، ثاني مرحلة كانت تقييم وين ممكن نقدر نشتغل وين ممكن ما بنقدر نشتغل. المرحلة الثالثة جمعوا جميع أصحابين المصلحة، مزارعين، مصنعين، أصحابين معاصر، وزارة الزراعة، اتحاد مزارعين، وبالتالي عملوا قاعدة اللي هي تمثل قطاع الزيتون الأردني. وبدأ العمل على تأهيل وخلينا نحكي وبناء القدرات لهذول المنتجين وهذول الناس اللي هم عندهم الرغبة انهم يخشوا الاتحاد الاوروبي السوق الاوروبي. بدأنا بدورات متخصصة في الجودة، جابوا خبير ايطالي متخصص في جودة الزيتون، في جودة الزيت، في آلية انتاج زيت عالي الجودة. بالمقابل بنفس الوقت كان في تزامنا كان في دورات متخصصة في تطوير القدرات التصديرية وطلبات الاسواق. وبنفس الوقت اشتغلنا على موضوع اللي مهم اللي هي العبوات. فخلال سنة من البرنامج فعلي بلش بال 2021، خلال سنة من بدء البرنامج كان في عنا بنية تحتية جاهزة لدخول هاي الأسواق. فبدأنا بأول فكرة كانت إنه نروح على سيال باريس، وهناك كانت المفاجأة إنه إحنا عنا منتج مميز، عنا قصة تاريخية تستحق أن تعرض، وكان في استهداف حقيقة لهذا المنتج، وفي رغبة أن يكون في وجود هذا المنتج الأردني في هذه الأسواق. بالمقابل بنفس الفترة كان في شغل على كثير من الشغلات اللي بتساعد وبتطور وبتهيئ المنتج الأردني أنه يخش هذه الأسواق. رحنا في 2023، في بداية 2023 شاركنا في معرض في مدريد، World Olive Oil Exhibition. هذا المعرض متخصص بالزيت، زيتون عالي الجودة. فأنت بتيجي تكون في هذا المعرض فهي كثير مكتسبة. فاليوم احنا بنحكي CBI اشتغل علينا على تشبيك
حلقات الإنتاج في الأردن شاملة من مزارعين ومنتجين واتحاد مزارعين وأصحاب مصنع كأصحاب المعاصر ووزارة الزراعة اللي هم الغطاء بالأردن لقطاع الزيتون. بالجانب الآخر اشتغلوا على تأهيل الكوادر في هاي الشركات، وإحنا شركتنا واحدة منهم اللي أخذوا دورات وتفرغ، يعني كان في عندنا أحد الأفراد الشركة كان متفرغ بس لبرنامج السي بي آي، لأنه كان عندهم دورات بالتسويق، عندهم دورات بالباكجينج بالتغليف بالتعبئة والتغليف، كان عندهم دورات في متطلبات الأسواق العالمية زي السوق الأوروبي أو السوق الأمريكي أو السوق شرق آسيا. اليوم إحنا أصبحنا جاهزين بفضل السي بي آي إن نصل لهاي الأسواق، ويكون عندنا منتج بننافس فيه. الزيت الأردني مش أقل من أي زيت آخر، ولكن إنه يتم إنتاجه وتصنيعه وتعبئته ضمن متطلبات هاي الأسواق. اليوم السي بي آي بيقدر نحكي لهم شكراً لكم، كثير كثير ساعدتونا في تحسين ورفع الكفاءة لكوادرنا ولمنتجنا حتى يكون موجود على رفوف المكان الصحيح وبالسعر الصحيح. احنا قبل 2000 I can't hear you. I'm sorry. Can you hear me now? Yes. I accidentally clicked on mute. I said your presentation is complete, correct? Yes. Yes, thank you. Okay. Willing to take any questions. Any questions, yes. We're moving now to the questions and answers. Donc, merci, Monsieur Cher, d'avoir partagé ces informations très intéressantes. Et il va rester en ligne pendant que nous répondons aux questions du public. Avant cela, Euda, est-ce que je puis vous demander de nous rejoindre? Mesdames et Messieurs, Euda Gessous est la consultante locale travaillant avec CBI au Maroc. Monsieur Chad répondra aux questions sur le projet en Jordanie et Madame Gessous se concentrera sur les questions relatives au projet du CBI proposé au Maroc. Mr. Chad, I just told our audience that you will focus on questions about the project in Jordan, while Huda Gessous will focus on questions that have to do with the project in Morocco. And I'm just having a quick look at the questions that are coming in. Je regarde les questions que nous avons reçues. Donc, j'ai une question ici. Pourriez-vous nous parler de votre stratégie de branding sur ce marché? Euda, est-ce que vous pourriez faire la traduction en arabe, s'il vous plaît? Mr. Cheikh, ما كانت استراتيجية البراندينغ اللي أخذتوها على الأردن للخارج للسوق الخارج للأسواق الخارجية؟ لا، الاستراتيجية كانت عبارة عن مخاطبة الأسواق اللي بتحب الفري بريميوم كواليتي، هاي كواليتي نيتش ماركت، لأنه في الأردن في عندهم ظروف محددة، ما في استيراد لزيت الزيتون، وبالتالي السوق المحلي والأسعار المحلية عالية جدا، وبالتالي الكمية المتاحة للتصدير كمية قليلة جدا. وهون اخترنا انه الاستراتيجية التسويق تكون فقط للفري هاي بريميوم كواليتي لهم، واخترنا انه تكون مدعومة بالتاريخ الأردن والثقافة الأردنية والمنطقة الأردنية كونها يعني منطقة من المناطق المقدسة، وهذه كانت استراتيجية التسويق تبعتنا، ليست منافسة الماس ماركت فيها، لا، منافسة فقط النيتش ماركت اللي بيهتم بالتسويق أو أخذ المستوى العالي جدا لزيت الزيتون. Je réponds à la question. Donc, par rapport au branding à l'international, le marché jordanien est très spécifique. Le marché jordanien interdit toute importation d'huile d'olive de l'étranger,
ce qui fait en sorte que les quantités qui sont disponibles sur le marché sont limitées. Déjà, les prix de production sont très élevés. Et ensuite, donc, il y a un peu de volume qui est disponible aux exportations. Donc, pour le branding, il y a eu un focus très spécifique sur l'histoire et la culture jordanienne, et donc en se basant sur des marchés de niche. L'objectif n'était pas de faire du volume, mais de faire une adéquation avec les marchés de niche qui étaient beaucoup plus axés sur la qualité du premium et qui recherchaient aussi toute l'histoire et la culture des pays, du pays comme la Jordanie. Merci beaucoup, Monsieur Chad. Merci beaucoup, Huda. Nous avons quelques autres questions ici. Une autre question pour Monsieur Chad. Monsieur Chad, combien vous produisez de tonnes par an et combien vous avez réussi à exporter maintenant? Une deuxième question, l'huile d'olive jordanienne est perçue dans le monde par les consommateurs? Huda, vous? أستاذ شاد الأول الأول سؤال كيف ما هم الكميات الموجودة للإكسبورت وثاني سؤال I'm sorry Tanya can you repeat the second part of the question Yes, of course. L'huile d'olive jordanienne est perçue dans le monde par les consommateurs et كيف المستهلكين الانترناشونال لما عملتوا البراندين كيف بيشوفوا الزيت الأردنية يعني براند برسبشن نعم بالنسبة للكمية كما ذكرت سابقا معدل الانتاج لزيت الزيتون بالأردن يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف طن المعدل الاستهلاك للسوق المحلي 20 ألف طن وبالتالي بيكون المتاح له 5000 طن فقط وهذه كمية قليلة عشان هيك احنا حكينا الاستراتيجية الخاصة بالأردن انه فقط انه تكون التصدير فقط للنيتش ماركت ولل very high premium market فيه ف 5000 طن توزع طبعا التصدير للأسواق الإقليمية الأسواق الأوروبية والأسواق الدولية مش كلها كمان متاحة للسوق الأوروبي هذه فقط للتصدير لكل العالم بما يتعلق بالبراندينج البراندينج قلنا فيها إنه هي للنيش ماركت وإنه نعمل فيها التاريخ الأردني التاريخ والثقافة الأردنية لمخاطبة الأسواق فيها لأنه عشان كمان يكون محفز لهم الأسعار زيادة عن السوق المحلي زي ما قلت السوق المحلي سعره يعني الآن يتراوح ما بين 6 إلى 8 يورو لللتر بالسوق المحلي وبالتالي لازم يكون هناك في حوافز للمصدرين عشان يصدروا أكثر من هيك وبالتالي كان تجذب هذه السيجمنت أو الديماند لهذا الموضوع يجب أن تخاطب فقط ما هو مناسب للهاي كواليتي والبريميوم من كيف بدك تستقطبهم لهذا الموضوع عن طريق التغليف المناسب تغليف الهاي باكجز فيها الجلاس طبعا ضفنا لهم كمان تحطه عن طريق هدايا يعني في صندوق هدايا يكون يستخدم هذا زيت الزيتون للهدية وهذا بالتالي بيعكس مدى المستوى ومدى الفاليو القيمة اللي فيها لما تكون كهدية في هذا الموضوع كمان اتطرقنا للأسواق عن طريق specialized shop market اللي هي المحلات المتخصصة في زيت الزيتون اللي هي بتقدر تقيم قيمة هذا زيت الزيتون مش النورمال سوبر ماركت أو الأسواق العامة زي ما قلت احنا ما بننافس ماس ماركت احنا بننافس النيتش ماركت وبالتالي في قنوات خاصة لهذا الموضوع عبر specialized shop المحلات المتخصصة والمعارض المتخصصة في هذا المجال شكراً Huda, may I ask you, because of the time, to just summarize Mr. Chat's answer? Yes, of course. La production d'huile d'olive en Jordanie est entre 20 et 25 000 tonnes, avec une consommation locale de 20 000 tonnes, ce qui ne reste que 5 000 tonnes à l'exportation, qui n'est pas toutes destinées au marché européen, mais à l'ensemble des marchés, notamment le marché régional, donc le Moyen-Orient. Pour la perception, il ne s'adresse qu'aux clients
qui est client sur la niche. Donc, en fin de compte, ils ont choisi pour leur stratégie de diversification de se focaliser déjà sur le prix, parce que si le prix est entre 6 et 8 euros sur le local, pourquoi exporter? Donc, ils s'adressent à des clients qui sont sensibilisés à la partie culturelle, à la partie branding, notamment les épiceries fines et les magasins spécialisés en huile d'olive. Ils ont aussi changé les emballages pour pouvoir répondre aux besoins, pour aller sur des emballages premium, mais aussi des cadeaux. Et donc, un positionnement beaucoup plus, plus en stratégie avec le branding qui a été fait. Merci beaucoup, Aïda. Nous avons une autre question qui a à faire avec le projet du CBI au Maroc. Et je propose de répondre à cette question dans votre présentation, Aïda, parce que vous allez parler du projet. Donc, merci beaucoup à M. Chad et à Mme Guessous. Et je vais vous demander d'éteindre vos caméras, s'il vous plaît. Mr. Chad, thank you so much for joining us. Thank you so much also to Mr. Fayad for sharing his story about his enterprise. We thought it was very interesting. And may I now ask you to please switch off your camera. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin du webinaire et nous aimerions avoir de vos nouvelles. Dans ce webinaire, vous avez entendu Vladimir Pekic parler des opportunités sur le marché européen et vous avez entendu M. Chad expliquer comment CBI a travaillé avec des entreprises en Jordanie pour les aider à développer leur marque et augmenter ses exportations vers l'Europe. Nous aimerions savoir si vous souhaitez exporter vers l'Europe. Alors, je vais partager un sondage. Et si vous voulez répondre, s'il vous plaît. Je vois oui, beaucoup de oui. 42%, 50% a répondu, merci. Merci, je le laisse ouvert pendant quelques secondes. 63%. Et je vais le fermer en 5 secondes. 4, 3. Et je partage les résultats. Vous les voyez ici. Et comme nous avons aussi d'autres acteurs dans l'écosystème, je crois que, bon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent par l'exportation vers l'Europe. Donc, c'est un résultat très intéressant pour nous. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question très rapide, la dernière question pour vous. Selon vous, quel est l'enjeu clé pour exporter votre huile d'olive vers l'Union européenne? Votre réponse, s'il vous plaît. Nous avons reçu les réponses de 60% de notre audience. Et je vais le fermer en 5, 4 secondes. Merci beaucoup d'avoir participé et ici les résultats. Donc, nous voyons que les exigences réglementaires, la qualité et le prix sont les enjeux clés selon vous. Ou bien, les enjeux clés. Bon, merci encore. Merci à tous pour votre participation.
Et je crois que ce sont des informations très pertinentes pour le CBI. Et maintenant, avant de terminer ce webinaire, j'aimerais inviter Kathleen et Euda à nous rejoindre de nouveau, parce que je pense qu'il reste encore quelques questions qui sont très intéressantes pour beaucoup de gens. Plus précisément, quelles sont les prochaines étapes et quand pouvons-nous espérer en savoir plus sur le programme? En plus, si les gens souhaitent participer au projet au Maroc, doivent-ils prendre des mesures maintenant? À vous deux. Merci, Tonia. Le projet que CBI envisage de démarrer, c'est axé sur la région de Meknès Fès. Et ça va se dérouler sur la période de 2024 jusqu'à 2028, alors 4 ans. Et le vision du projet est que le Maroc dispose d'un secteur de l'huile d'olive qui est inclusif et durable, mais aussi qui génère des opportunités d'emploi pour les jeunes. Et nous croyons que ça sera possible quand le secteur est ouvert à l'innovation et diversification afin de réaliser le potentiel commercial du secteur d'être durable à la long terme. Et on croit aussi que la jeunesse peut agir comme catalyseur et bénéficiaire de cette transition. Et avec nos partenaires locaux, CBI souhaiterait supporter spécifiquement les jeunes travailleurs et les jeunes prestataires de services qui souhaitent améliorer la qualité et la durabilité du secteur huile olive. Et aussi les PME qui souhaitent produire et exporter de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité. À ce moment, nous sommes en train de concevoir le programme et nous prévoyons que le projet comportera 3 éléments clés. Et je voudrais demander à Euda d'expliquer un peu plus en détail les trois axes. Les trois axes. Tania, si on peut avoir la prochaine. Merci beaucoup. Donc, 3 composantes pour les activités possibles. Comme Catalina a expliqué, on est en cours de finalisation de la première partie qui est l'inception pour démarrer le programme sur 4 ans. Donc, 3 axes principaux. Premièrement, l'impact sur les jeunes, donc l'inclusion à travers l'engagement et l'accompagnement des jeunes pour créer, soit pour la création d'emplois, soit pour la prestation de services. Et la deuxième, c'est le renforcement de l'écosystème. Donc, comme avec tous les projets du CBI, l'écosystème existe et il y aura plus de synchronisation pour améliorer les chaînes de valeur et avoir le plus d'impact, que ce soit sur l'impact économique, environnemental et social. Et le troisième axe, c'est principalement les exportations. Donc, une catégorie d'entreprises, principalement des PME qui souhaitent s'exporter à l'international, vont être accompagnées à travers de l'assistance technique, de la formation aussi autre. C'est ce qu'on va définir ensemble comme avec les partenaires pour pouvoir intégrer les marchés à l'international. Ça peut être l'Union européenne comme les marchés régionaux. Donc, les trois composantes. Prochaine étape. Nous vous invitons tous à être présents. Nous avons élaboré une étude de perception des jeunes du secteur de l'huile d'olive. Nous avons partagé avec nos partenaires ce qu'ils en ressortent et avons identifié les opportunités. Maintenant, il y a un Olive Oil Challenge qui est un Innovation Challenge, si vous voulez. Des groupes vont réfléchir à comment trouver des solutions innovantes et impactante pour les jeunes et aussi pour le secteur de l'huile d'olive. Si vous êtes jeune entrepreneur, n'hésitez pas à renseigner le formulaire de candidature. Vous pouvez scanner directement le code à barre. Si vous êtes
technicien, si vous êtes amateur d'huile d'olive, si vous avez des informations sur le marché, vous pouvez aussi vous inscrire en tant que mentor ou en tant que personne ressource au cas où ces jeunes ont besoin de votre des informations pour essayer de sortir avec un projet bien étudié et qui aura plus d'impact. Voilà, donc vous avez Catelia qui est chef de projet, vous pouvez la contacter pour chaque reprise. Sur ce Olive Oil Challenge, on travaille avec Green Opel Lab qui sont sur la région de Sfro et aussi sur Proportion qui est une agence d'études qui se focalisait sur le Human Centered Design. Donc ils font du développement centré sur l'humain. Merci beaucoup, Euda et Catalina. Et supposons que je sois intéressée à faire partie de ce projet, dois-je m'inscrire quelque part ou est-ce que vous m'informerez du démarrage du projet? Comment cela va se passer? Le démarrage du projet, toutes les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui seront tenues au courant, en plus de nos partenaires qui vont faire la diffusion une fois que le projet démarre. Donc, nous démarrons avec nos partenaires, bien sûr. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec le partenaire qui vous semble le plus approprié. Si vous êtes femme entrepreneur ou femme dans le secteur oléocole, vous avez Fafom. Si vous avez besoin d'informations pour vous lancer sur le secteur oléocole, vous avez la DRA de Fes McInnes avec M. Mustapha Amrari qui est avec nous. Ou si vous voulez faire partie et donner votre apport à l'interprofession. Donc, c'est Sehmid Rinoufi qui est avec nous, l'interprofession, et aussi agit sur le plan national. Donc, vous serez informés. Merci beaucoup, Aïda et Catalina. Puis-je maintenant inviter tous nos invités à allumer leur caméra? Donc, M. Mustapha, Vladimir, M. Hanoufi, Mme Shami, M. Chad, can I please? Yes, thank you. OK, donc, je remercie vous tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Et M. Mohari, M. Hanoufi, Mme Shami, merci d'être prêts à accompagner les PME marocains dans ce projet. Vladimir, merci d'avoir partagé vos idées sur le marché européen et sur les opportunités pour les PME marocaines aussi. Mr. Chad, thank you for having talked to us about the project in Jordan and having shared the video from Mr. Fayad. Merci de nous avoir parlé du projet en Jordanie et d'avoir partagé la vidéo de Monsieur Fayad. Merci aussi à Monsieur Fayad. Huda et Catalina, nous avons hâte d'en savoir plus sur ce projet et à l'équipe de CBI en coulisses, merci de nous avoir soutenus. Il me reste encore de remercier notre audience, nos participants aujourd'hui, d'avoir participé à ce webinaire. Et rappelez-vous que nous vous enverrons l'enregistrement du webinaire afin que vous puissiez le revoir à votre guise. En plus, vous trouverez des informations sur le marché européen sur le site de CBI, www.cbi.eu. Et vous y trouverez aussi l'étude de marché, l'étude du secteur de l'huile d'olive en anglais. Et vous pouvez utiliser Google Translate ou ChatGPT pour faire la traduction. Nous espérons que cela vous a été utile et nous espérons vous revoir lorsque nous commencerons notre programme. Merci beaucoup, bonne journée et au revoir.